Shalom, shalom. Bonsoir à vous tous qui nous prenez en marche actuellement. Ce soir, nous sommes bénis d'être en compagnie d'un homme de Dieu. Et c'est un homme de Dieu qui fait un grand travail ici au Burkina. Je l'ai connu il y a quelque temps, mais j'ai vu la grâce de Dieu qui a su sa vie. Et mon père spirituel me donne toujours un conseil précieux. Il dit d'honorer et de respecter ceux qui impactent et ceux qui apportent un grand plus dans le royaume de Dieu. Ce soir, j'aimerais honorer cet homme de Dieu à l'endroit du prophète Michael T. C'est un homme de Dieu vraiment que j'apprends beaucoup de choses rien qu'en le suivant, rien qu'en l'observant. Je peux dire que c'est un homme de Dieu qui apporte un grand plus. Il a bas un grand travail ici au Burkina. Et ceux qui le connaissent savent que c'est un homme de Dieu qui va de progrès en progrès et de gloire en gloire. Ce soir, nous sommes bénis d'être en sa compagnie. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bien-aimé frère. Gloire à Dieu. Nous allons présenter, je vais essayer de présenter quand même l'homme de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? Vous tous qui nous suivez actuellement, vous tous qui ne le connaissez pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît tous les hommes de Dieu, et vous tous qui ne le connaissez pas, je peux dire que le prophète est... c'est un homme de Dieu d'origine ivoirienne. Il vient de la Côte d'Ivoire et ça fait quelques temps qu'il s'est installé au Burkina pour une bonne raison. Parce qu'il est marié à Marina Traoré, née Traoré, épouse T. Et tous ensemble, depuis quelques années, ils ont décidé de s'installer au Burkina et de lancer le ministère qu'il avait en Côte d'Ivoire. Et le ministère qu'il est en charge, qu'il est le fondateur ici au Burkina, c'est le Centre international de réveil, un centre international pour le réveil des nations. C'est un homme de Dieu et je peux dire qu'il transporte le nom de son ministère parce que là où il va, on voit le réveil, il apporte le réveil, que ce soit individuellement, dans la communauté qu'il est. Et ce soir, nous sommes bénis de l'avoir comme invité. Michael T est marié à Marina T. Tous ensemble, ils ont 3 enfants. Et ils sont en charge du ministère ici au Burkina. Et je peux parler un peu, je vais revenir un peu par rapport à son père que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région. J'aimerais parler de l'apôtre Maurice T. C'est un homme de Dieu simple, humble. Tu le vois, il ne parle pas beaucoup, mais ses œuvres parlent plus que les paroles. Je l'observe aussi. Et si Dieu permet, un jour, on fera une émission avec lui. Papa, si tu nous suis, on viendra à toi par la grâce de Dieu. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou on va profiter quand tu seras ici au Burkina pour t'avoir. Ce soir, nous n'allons pas tarder. Je vais demander à l'homme de Dieu de se présenter plus pour les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup, mon frère Samuel, pour le privilège et pour l'occasion qui nous est accordée sur votre plateforme de pouvoir prendre la parole. Tout le plaisir pour nous. Merci beaucoup. Alors, tu l'as déjà dit, je m'appelle Michael T. T en 2 lettres, T-E accent aigu, originaire de la Côte d'Ivoire et Burkinabé depuis quelques années, déjà par mariage et puis... Yeah. Par installation, j'allais dire. Voilà, succinctement ce que je peux dire. Mon épouse, on l'a dit tout à l'heure, c'est Marina T. Et puis ensemble, on a 3 enfants, bientôt même un 4e. Gloire à Dieu. Voilà que d'autres suivront dans 2-3 mois, le 4e sera déjà arrivé. Amen, amen. Alors, succinctement, voici, c'est un serviteur de Dieu, c'est ce que nous sommes, appelés par Dieu pour pouvoir être des instruments entre ses mains. Partout où nous envoie, afin de pouvoir simplement faire avancer son œuvre et glorifier son nom. Voici succinctement ce que je peux dire à notre propos. Amen. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à votre ministère au Burkina? Quand est-ce que vous êtes installé ici au Burkina? Et comment se porte votre communauté? Comment se porte le ministère ici au Burkina? Amen. Merci beaucoup. Alors, je suis ici. En 2019, ça va faire... un peu plus de 6 ans que nous sommes installés ici. Amen. Je suis venu simplement parce que Dieu m'a dit de venir et de rester. À la base, j'étais de passage pour 2 semaines de programme dans une église où j'avais été invité.
puis à Ouagadougou. Et les deux semaines se sont transformées en deux mois. Amen. Quand je me préparais à rentrer, en réalité, Dieu m'a dit, je te veux ici. Mm-hmm. Une, j'avais déjà un ministère, une église à Abidjan, mm-hmm. qui était en train de fleurir. Mm-hmm. J'avais des opportunités à l'extérieur, mm-hmm. qui étaient plus... de mon penchant, mm-hmm. s'il fallait faire un choix, mm-hmm. mais Dieu m'a dit, viens là et installe-toi. Ah ben. Alors, bien que c'était hors de notre propre volonté et de mm-hmm. nos propres programmations, mm-hmm. mais il était important pour nous d'obéir à l'instruction de Dieu. C'est vrai. Et Dieu a été avec nous mm-hmm. en réponse à notre obéissance, à son mm-hmm. instruction, mm-hmm. et nous a accompagnés. Mm-hmm. L'église a aussi à peu près 6 années bientôt. Ah ben. Donc en avril 2019, mmh. nous serons à 6 ans pleinement. Amen. Mais Dieu a été fidèle en ce nombre d'années pour nous donner d'avoir des avancées majeures, mmh. de pouvoir faire beaucoup de progression. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Comme on a l'habitude de dire, homme de Dieu, le Burkina est un peu différent par rapport aux autres pays. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là où le ministère est en plein essor, et c'est plus facile de faire le ministère. Et à comparer le Burkina, et si je me base du témoignage de mon père spirituel, le prophète Emmanuel, comme il a l'habitude de dire, parce qu'il a reçu son appel en Côte d'Ivoire, et il se voyait bien de faire le ministère en Côte d'Ivoire. C'est plus facile de faire le ministère en Côte d'Ivoire. Comment vous avez pris l'appel quand Dieu vous a dit de vous installer au Burkina? Parce que vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Personne ou nul n'aime faire le ministère là où c'est plus difficile. Ici au Burkina, nous voyons tous, nous sommes serviteurs de Dieu ou on suit des serviteurs de Dieu. Et c'est très très difficile de faire le ministère parce que le ministère va lentement, lentement. Et c'est très difficile par rapport à la réception des gens, beaucoup d'infidélité, de déloyauté. Et le ministère est très très difficile. Qu'est-ce que ou comment vous avez perçu quand Dieu vous a dit de faire le ministère au Burkina et comment vous êtes préparé et quels conseils vous pouvez donner aux gens qui sont actuellement ou qui veulent venir s'installer au Burkina pour le ministère ou qui sont déjà dans le ministère? D'accord. Il faut reconnaître que d'un premier temps, c'était un choc pour moi d'admettre que Dieu me voulait ici, mm-hmm. et pas que pour moi. Pour mon père, le révérend Maurice T, uh-huh. et ma famille, les gens, beaucoup, uh-huh. c'est assez difficile d'accepter parce qu'il est évident qu'en Côte d'Ivoire, l'évangile a plus de percée, c'est vrai. A plus de facilité. Uh-huh. Du coup, les gens acceptent beaucoup plus facilement les ministères naissants. Uh-huh. Il y a très rapidement une affluence. Uh-huh. Il y a parfois beaucoup de facilité en comparaison avec le Burkina Faso, mm-hmm. qui est encore un espace où il y a beaucoup à conquérir, il y a beaucoup à accomplir. Beaucoup de travail. Malgré en fait. Qu'il y ait quand même mm-hmm. des grands hommes de Dieu dans le territoire, il y a mm-hmm. beaucoup plus de travail. Okay. Donc ça fait que c'était difficile pour moi au départ, pour être honnête. Mm-hmm. Pour moi, de rester là était simplement parce que j'étais certain que Dieu me l'avait mm-hmm. dit. Ce n'est pas parce que j'avais des avantages, ce n'est pas parce que j'avais des portes ouvertes ici, mm-hmm. ce n'est pas parce que j'avais des soutiens aucun. Mm-hmm. C'était... Au départ, pour moi, de venir ici, c'était de dégringoler de mon niveau de vie. Mm-hmm. C'était de dégringoler de ce que j'avais, de ce que j'étais. Mm-hmm. Pour repartir à zéro dans les circonstances, c'est beaucoup difficile. Mm-hmm. Mais j'ai découvert simplement mm-hmm. que la bénédiction n'est pas forcément rattachée au lieu Amen. Où tu te trouves, mais rattachée à l'instruction que Dieu te donne. Amen. Si Dieu t'envoie dans le désert, même le désert peut devenir un verger pour Ça, toi. C'est une révélation Amen. Pour nos internautes qui nous suivent Amen. Actuellement. La bénédiction Amen. N'est pas liée... Au lieu, à l'endroit où tu te trouves, oui. mais à l'instruction de la parole divine. C'est ça. Si là, Dieu te dit va au désert, uh-huh. comme c'est lui qui t'a dit va au désert, le désert va devenir une forêt abondante. Le désert deviendra un palais. Et que tu peux aller dans un endroit qui semble bien, Amen. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a emmené, mm-hmm. l'endroit qui était bien va devenir compliqué pour toi. Amen. Dieu a été fidèle pour nous jusqu'ici. Amen. Il nous a soutenus. Quand je parlais de la grâce qui est ouais. sur ta vie, parce qu'en 6 ans de ministère, ouais. Je connais pas mal de gens. Oui. Mon père est pasteur, il est dans le ministère depuis Amen. Plus de 35 ans. Oui. Je connais pas mal d'hommes de Dieu, oui. parce que Dieu m'a fait la grâce d'être aux côtés d'un homme de Dieu, oui. Le prophète Emmanuel, dont nous avons parcouru, j'ai eu l'occasion, le privilège de le suivre pour parcourir beaucoup d'églises. Oui. Et comme il a l'habitude de dire, oui. il collabore avec plus de 50 dénominations ou 150 dénominations dans, oui. dans tout le Burkina. Et je connais les difficultés qu'il y a dans chaque église et comment les églises ont à progresser. Et je peux dire, je peux parler de la grâce qui est sur ta vie parce que en 6 ans de ministère,
Si tu ne l'as pas dit à quelqu'un, et quelqu'un qui vient à ton assemblée, il dira que c'est un ministère de longues années. Tu peux nous en dire plus par rapport à cela? Alors, j'aimerais dire comme Paul l'apôtre l'a dit, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, pas parce que je suis mieux que les autres, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La deuxième chose qu'il a dit, il a dit, certes, la grâce n'a pas été vaine, j'ai travaillé plus que les autres. Il y a deux facteurs que je peux retirer de l'expérience de Paul, qui est notre expérience, la grâce de Dieu et le travail. Donc la grâce est là et que tu travailles, la grâce décuple le résultat de tes efforts et le résultat est impressionnant. Gloire à Dieu. Tout est grâce, la grâce et le travail. Amen. Voilà. Retenons sur la grâce. Amen. On parle de la grâce parce qu'avec la grâce, on ne lutte plus. Comme on a l'habitude de dire, selon la traduction ou la définition, la grâce est une faveur imméritée. La grâce ne se repose pas sur les efforts qu'on fait. Ça ne se repose pas sur nos connaissances intellectuelles ou en matière de Dieu. C'est juste une grâce, une faveur imméritée que Dieu nous fait. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Homme de Dieu, quelles paroles vous avez à l'endroit de la plateforme Morema pour les internautes qui nous suivent? Parce que notre plateforme est là depuis plus de 4 ans maintenant. Il a été lancé en 2015. Et il y a quelques temps que nous avons démarré notre émission vidéo. Et nous allons à l'encontre des hommes de Dieu. Donc toi aussi, homme de Dieu, si tu me suis, Dieu te met à cœur de prendre part à cette émission. Il suffit seulement de nous contacter juste au email qui va s'afficher ou nous appeler au numéro qui va s'afficher. Nous ferons le plaisir de venir t'enregistrer chez toi ou de faire un direct pour que plus d'internautes puissent bénéficier de ton ministère. Homme de Dieu, quelle parole spéciale vous avez à l'endroit de Morema et de nos internautes qui nous suivent actuellement? Très bien. Ce soir, pour l'occasion qui m'est donnée, il m'est venu à cœur de partager avec tous ceux qui sont en contact avec nous, impacter sa génération. Amen. C'est, si vous voulez, le titre que je donne au petit partage, à la petite exhortation que je voudrais donner à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en direct ou en retransmission. Ou en différé sur cette émission. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, le monde est de plus en plus compliqué aujourd'hui. En fait, ça ne va pas s'arranger, ça ne va pas s'améliorer parce que nous sommes dans les temps de la fin et la complication des choses du monde sont des signes de l'accomplissement justement de cette saison de la fin. Mais quoique les choses sont en train de se compliquer pour le monde, Dieu a besoin que des personnes puissent s'élever, des personnes de son royaume, des personnes de sa maison puissent s'élever et être une source d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire qu'impacter? Ça veut dire laisser des traces, ça veut dire simplement avoir de l'influence, ça veut dire générer quelque chose qui affecte positivement la vie des gens et qui les amène à tourner leur regard vers le Seigneur. Si on peut se positionner comme des personnes qui produisent un impact dans ce monde où les ténèbres sont en train de s'épaissir davantage, les gens pourront avoir un repère, pourront avoir une lumière et un chemin à suivre, alors le royaume de Dieu pourra être glorifié. Si vous voulez, en quelques mots, c'est ce que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de pouvoir partager de manière beaucoup plus approfondie avec ceux qui nous regardent. Impacter sa génération, tel est le thème que l'homme de Dieu va développer. Et je peux dire que toi qui ne le connais pas, il est mieux placé et il est mieux cité pour te parler de l'impact. Parce que depuis plus de 6 ans, il s'est installé sur Burkina. Et je peux dire qu'il impacte autour de lui. Et je peux dire que c'est le seul ou l'un des jeunes leaders ou l'un des jeunes hommes de Dieu qui fait le pont entre sa génération, je peux dire la génération montante, et l'ancienne génération qui est là. Donc, si cet homme de Dieu a pu impacter sa génération et continue d'impacter sa génération, je peux dire qu'il est mieux placé pour parler de comment impacter sa génération. L'homme de Dieu, j'aimerais dire ou signaler quelques mots. L'impact, tu as parlé de l'influence. Comment un jeune chrétien ou un jeune leader, parce que notre émission n'est pas simplement pour les chrétiens. Il est destiné à tout le monde. Facebook, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées. Tout le monde peut prendre l'émission en cours et pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire le mot impact, ça veut dire l'influence. Et on aimerait parler de l'influence. Homme de Dieu, comment quelqu'un peut influencer sa jeunesse, que ce soit un leader religieux, un leader politique, en quelques mots, en une ou deux minutes, tu peux nous définir, nous donner la définition de l'influence ou de l'impact dans la société?
Alors, c'est vrai que ce que nous disons, ça s'adresse à tout le monde. Mm-hmm. Ça peut être dans le domaine religieux, spirituel, mm-hmm. ça peut être dans le domaine séculier. Mm-hmm. L'impact peut mm-hmm. s'exercer dans tous ces divers domaines. Mm-hmm. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial. Mm-hmm. L'impact, c'est d'arriver au niveau où votre vie commence à compter dans votre environnement. Amen. Où ça veut dire que quand vous êtes présent mm-hmm. ou quand vous êtes absent, on peut sentir qu'il y a une différence. Mm-hmm. Votre présence fait une différence, mm-hmm. votre absence fait une différence. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas là juste comme pour la déco. Mm-hmm. Vous n'êtes pas là juste comme pour compléter l'environnement. Mm-hmm. Ou comme qui dirait pour accompagner les autres. Mm-hmm. Votre présence est décisive. Amen. Et apporte quelque chose de positif, mm-hmm. apporte un plus, apporte un changement mm-hmm. pour la vie des autres qui sont dans ce même environnement que vous. Mm-hmm. C'est ce que nous concevons comme étant faire l'impact ou mm-hmm. faire l'influence. Mm-hmm. Et la question que j'ai pu comprendre tout à l'heure, c'est que comment mm-hmm. un jeune homme ou un homme, qui que ce soit, mm-hmm. dans divers domaines, que ce soit spirituel ou séculier, mm-hmm. peut apporter l'impact. Mm-hmm. La première chose que vous devez comprendre, si vous devez générer de l'impact mm-hmm. ou générer de l'influence, mm-hmm. c'est que premièrement, mm-hmm. c'est à votre portée. Amen. C'est à votre portée, ça veut dire quoi? Chaque personne est née. Peu importe le nombre de milliards qu'il a sur la terre aujourd'hui, mm-hmm. chaque personne parmi ces milliards est né avec une spécificité, avec quelque chose de particulier à apporter au monde. Mmh. En effet, chaque création mmh. répond à une préoccupation. Ah ben. Chaque manifestation répond à une attente. Ce que je suis en train de dire, c'est que la raison pour laquelle on a créé une voiture, c'est mmh. parce qu'il y avait besoin de déplacement. Mmh. La raison pour laquelle on a créé l'avion, c'est parce qu'il y avait un besoin de déplacement pour relier les continents entre eux. Mmh. La raison pour laquelle tu es né, c'est parce qu'il y avait un besoin sur la terre. Mmh. Et comme il y avait un besoin sur la terre, Dieu a permis que tu naisses pour répondre à ce besoin. Amen. À chaque fois que Dieu crie à que des hommes crient à Dieu pour un besoin, pour une préoccupation, Dieu fait arriver un homme. Mmh. La réponse de Dieu pour les hommes est un autre homme. Ça veut dire que si vous êtes un homme et vous êtes né sur la terre des hommes, votre vie est arrivée pour être une réponse à la vie de d'autres personnes. Amen. Si vous comprenez cela, la première chose, c'est à ma portée. Amen. Ma vie est censée compter. Mmh. Je suis né parce qu'il y avait un besoin. Mmh. Je ne suis pas venu juste pour compléter le nombre de statistiques, Amen. Le nombre des habitants de la terre. Mmh. J'ai quelque chose à apporter. Voici pourquoi j'ai été manifesté. Parce que chaque création vient en réponse à un besoin. Amen. Il y a un besoin sur la terre qui exigeait ma naissance, parce que quand je suis né dans ce pays, dans cette famille. Mmh. Quand vous comprenez cela, la deuxième chose qui va déterminer l'impact, mmh. c'est de décider. Amen. Parce que maintenant je sais que ma vie peut compter, parce que je suis né parce qu'il y avait un besoin. Mmh. Ma vie était demandée, voici pourquoi j'ai été manifesté. Amen. Maintenant je décide d'occuper cet espace. Amen. Quand vous comprenez et que vous décidez, vous êtes sur le chemin de l'impact. Amen. Et j'aimerais apporter un plus. Comme le dit dans Romains 8, verset 19, mmh. La Bible déclare là-bas que toute la création mmh. attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, la nature attend avec un ardent désir que toi, tu te décides à manifester le potentiel ou à impacter ou à influencer ta génération, comme on a l'habitude de dire. Et cet impact et cette influence ne peut se faire sans être conscient du potentiel ou du don que Dieu a mis en toi. Parce que c'est sur ça qu'on s'appuie pour impacter ou influencer sa génération. Et comme on a l'habitude de dire, moi j'ai l'habitude de résumer la vie en quelques deux choix. Soit tu prends à gauche, soit tu prends à droite. Dieu ne nous a pas créés avec trois mains, c'est pour une raison. La main gauche ou la main droite. Et chaque personne a son utilité. Et c'est comme on a l'habitude de dire, soit tu décides à devenir un homme ordinaire, à rester un homme ordinaire, te conformer à la société, ou tu décides de découvrir le potentiel que tu as Amen. Afin de devenir une institution, une référence, Amen. Un point de repère pour ta génération ou pour les générations futures. Parce que si nous voulons voir ceux qui ont impacté les générations, si on parle de Galilée, de Newton, les anciens pasteurs, comme on a l'habitude de dire, c'est des gens, ils ont découvert leur impact et ils les ont mis en application. Sur ce, homme de Dieu, on ne va pas prendre trop de temps. On va te laisser développer ton message. Et nous serons là et on te reviendra s'il y a une question. Mais on va le laisser développer son thème où j'en suis sûr que tu es vraiment impatient de l'entendre dire. Parce que c'est un homme, comme on a l'habitude de dire, c'est un rhumatologue, c'est un homme qui apporte plus de rhumat. Et j'en suis sûr que cette émission ou la parole que Dieu va l'inspirer sera un rhumat pour toi et ça sera un apport de plus pour toi qui sommeille avec le talent ou le don que tu as. Parce que je peux dire que le temps n'est pas aussi propice que maintenant. Parce que c'est en étant jeune qu'on doit servir, qu'on doit impacter sa génération. On n'attend pas d'être vieux ou prendre de l'âge
pour apprendre, faire beaucoup d'erreurs. On apprend en faisant les erreurs. Ouais. La vie, c'est de... La réussite se base sur les échecs qu'on est, on a expérimentés. Et c'est pour cela que le succès arrive. Homme de Dieu, on va te laisser développer le thème. Et je remercie nos sœurs maintenant qui nous suivent. Si tu viens de nous prendre en cours, partage juste les liens pour nous soutenir et soutenir l'émission et faire vendre de cette émission autour de toi. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, tu as la parole pour développer ton message. Merci beaucoup. Alors, je vais parler avec vous pour 10 à 15 minutes. Et pour les 5 minutes restantes, nous allons changer l'atmosphère. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas juste à une émission de télévision, à une émission ludique, mais nous sommes à une transmission spirituelle. À chaque mot, à chaque parole qui peut être relâchée, la vie de n'importe qui peut juste commencer subitement à changer pour le meilleur. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur le texte qui a été donné tout à l'heure par mon frère animateur Samuel Zagré. On remet le chapitre 8 à partir du verset 18. J'aimerais prendre ma Bible avec vous, si vous me permettez, pour relire ce texte. Je pense que cela peut être profitable pour chacun de vous. Ne vous inquiétez pas, je vais planter le décor et puis nous allons décoller dans ce texte, d'accord? Alors, si vous voulez bien avec moi, Romains, le chapitre 8, vous pouvez le connaître ce texte, mais si vous pouvez ouvrir une Bible et plonger vos regards dans la parole de Dieu avec moi, faites-le. Dans le Romains, le 8e chapitre, à partir du verset 19, voici ce qui est écrit. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est impacter sa génération. Amen. Dans le texte que nous avons lu, voici l'élément spécifique sur lequel j'aimerais attirer votre attention. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Vous savez, la création n'attend pas votre existence, elle attend votre manifestation. Quelle est la différence entre l'existence et la manifestation? Exister, c'est faire partie de la population, faire partie de l'environnement, mais ne rien apporter en plus. Amen. Exister, c'est pouvoir compter. Quand on compte le nombre de personnes qui sont autour de nous, on peut te compter. Mais ton seul profit et ton seul apport, c'est de juste gonfler le nombre. Mais tu n'apportes rien de plus. Juste ton existence ne peut pas amener un plaisir et une joie dans la génération. Juste ton existence ne peut pas apporter un impact et une transformation dans ton environnement. Au-delà de ton existence, ta manifestation, qui m'a dit amen. Amen. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Tant que tu existes et que tu n'as pas encore commencé à manifester, tu ne peux pas être celui qui vient en réponse. Pourquoi la création attend-elle? Le monde attend parce que le monde a un besoin. Le monde attend parce que le monde a une préoccupation. Que ce soit le domaine spirituel, pour le salut des âmes, pour apporter un réveil dans ton environnement, que ce soit pour le monde séculier, que ce soit un entrepreneur, que tu sois un homme de métier, dans ton environnement, il y a une attente, il y a un besoin. Et c'est l'attente ou le besoin qui est en évidence, qui exige ta manifestation. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu existes, mais jusqu'à ce que tu sois manifesté, ta vie n'est pas une réponse. Tu existes, mais jusqu'à ce que tu commences à apparaître, ta vie ne peut pas faire bouger les choses, qui m'a dit amen. Les gens qui ont fait bouger les choses sont ceux qui ont décidé. Je ne veux pas juste me contenter d'exister, je veux commencer à me manifester. Dans mon domaine professionnel, je ne veux pas juste me contenter d'exister, je veux me manifester. Dans le domaine où je travaille, dans le domaine où j'exerce, comme un pasteur, comme un homme de Dieu, comme un homme d'affaires, comme un entrepreneur. Je ne veux pas juste me contenter d'exister, je veux me manifester. Qu'est-ce que ça veut dire manifester? Manifester, c'est extérioriser ce qui est à l'intérieur de toi, mais que les gens ne connaissent pas encore. Ce que je suis en train de dire concrètement, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est utile pour ta génération. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui peut apporter un plus. Écoute-moi, quelqu'un veut me dire, mais déjà il y a tellement de grandes personnes, déjà il y a tellement de grands hommes. Mais j'aimerais vous dire que peu importe les grandes choses qui ont été réalisées, il y a encore quelque chose à accomplir. Peu importe les grandes choses qui ont déjà été manifestées dans le domaine où tu évolues, il y a encore des choses à accomplir. Il y a peut-être des grands hommes de Dieu autour de toi, mais il y a encore des grandes choses à accomplir dans les yeux de Dieu. Il y a peut-être des grands entrepreneurs autour de toi qui ont déjà la cote,
qui ont déjà bâti une renommée. Mais il y a encore des choses à accomplir. Il y a eu de grandes inventions par le passé. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose à inventer. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose à créer. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore un plus à apporter. Dans le domaine des médias, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine banquier, dans le domaine des affaires, dans le domaine du sport, dans tous les domaines d'influence, il y a encore quelque chose à apporter. Et la chose qu'il y a à apporter est encore en toi, qui m'a dit amen. Jusqu'à ce que tu la ressortes, tu ne peux pas te manifester. Écoutez-moi, votre vie sera appréciée en fonction de ce que vous pouvez apporter à votre monde. Ne voulez pas aux gens s'ils ne vous respectent pas. Les gens ne vous respecteront que lorsqu'ils commenceront à voir ce qui dort à l'intérieur de vous. Amen. Deux frères nés de la même mère et du même père, le plus petit sera beaucoup plus apprécié que le plus grand. Simplement parce que le plus petit aura sorti les choses en lui que l'aîné n'a pas encore manifesté. Votre vie est saturée de potentiel. Chaque homme est né avec une capacité d'apporter quelque chose à ce monde. Chaque individu a été manifesté depuis le jour où vous avez poussé votre premier cri à la maternité où vous êtes né. Il y avait cette chose en vous que le monde espérait de voir. Il est inconcevable que vous quittiez la terre sans donner à la terre la chose pour laquelle vous avez été manifesté. Chaque homme est comme une semence que Dieu manifeste. Je pense à la parabole du semeur. Ma Bible dit un semeur sorti pour semer. Et alors qu'il semait, une partie est tombée le long du chemin. Les oiseaux l'ont picoré et la mort s'est produite. Une deuxième partie est tombée au milieu des endroits pierreux. Elle a été étouffée par manque de profondeur de sol et la mort s'est produite de fruits. Il y a une troisième partie qui est tombée au milieu des épines. Les épines l'ont étouffée, elle aussi morte s'est produite de fruits. Donc il y avait une quatrième partie qui, elle, est tombée dans une bonne terre et a produit. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste le fait qu'elle ait produit. La Bible dit qu'il y a trois niveaux de productivité. La Bible dit un 100, un autre 60 et un autre 30. La seule partie qui a produit en trois niveaux. Qui m'a dit amen. Maintenant, les trois premières parties qui sont mortes n'avaient rien produit. Il y a trois parties qui sont mortes et qui ont échoué, qui n'ont rien apporté à leur monde. Quoi qu'il y avait des attentes, parce que tout semeur qui sort avec sa semence espère obtenir une moisson. Mais ces trois parties sont mortes, sans rien apporter comme moisson. Mais la seule partie qui a produit n'a pas dit, je vais seulement produire pour moi-même. Elle a produit pour la partie qui est tombée sur le long du chemin. Elle a produit pour la partie qui est tombée dans les endroits pierreux. Elle a produit pour la partie qui est tombée au milieu des épines. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui ta destinée doit produire pour compenser la destinée de ton père. Doit produire pour compenser la destinée de ta mère. Là où les destinées ont été frustrées, ta nation a été frustrée, ton environnement a été frustré, ta destinée doit pouvoir rehausser et réparer les frustrations de ta génération. Beaucoup d'hommes sont sans espoir. Beaucoup de jeunes gens sont sans espoir. Ils estiment que le monde est compliqué. Ils estiment qu'il n'y a personne pour leur tendre la main. Ils estiment qu'il n'y a personne pour les aider. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un peut arriver. Quelqu'un peut se démarquer dans leur environnement. Lorsque tu réussiras, quelqu'un d'autre saura que lui aussi, il peut réussir. C'est ça que la Bible appelle ta manifestation. Il dit, dans ta lumière, je vois la lumière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne verront jamais la lumière jusqu'à ce que ta lumière à toi commence à briller. Si tu n'as pas besoin de réussir, ta famille a besoin que tu réussisses. Si tu n'as pas besoin de réussir, ta génération a besoin. Oh my God. Si tu n'as pas besoin de réussir, ta nation a besoin que tu réussisses. La réussite n'est pas une option. L'impact et l'influence ne sont pas une option. C'est une obligation. Parce que plusieurs attendent que ta société sorte. Parce que c'est dans cette société qu'ils pourront être embauchés, qu'ils pourront bâtir leur famille. Plusieurs attendent que tu écrives ce livre que tu dois écrire. Parce que c'est en lisant ce livre qui vont pouvoir être motivés pour atteindre leur propre destinée. Amen. Ta vie est trop importante. Si personne ne croit en toi, toi-même crois en toi. Amen. Si personne ne te soutient, toi-même soutiens-toi. Amen. Il y a cette chose en toi. Maintenant, tu dois la manifester. Il y a la deux catégories de personnes. Et je vous laisse avec cette réflexion. Il y a ceux qui existent. Et il y a ceux qui ont plus d'exister sont manifestés. Puissance de Dieu. D'être au nom de ceux qui seront manifestés. Si je suis dans le domaine des médias, je ne passerai pas inaperçu. Si je suis dans le domaine pastoral, je ne passerai pas inaperçu. Je décide de faire un impact. Pas parce que j'ai envie de filmer. Pas parce que j'ai envie de montrer aux gens que je suis. Non, parce que je comprends qu'il y a un besoin que
que ma vie doit combler. Il y a une attente que ma génération a besoin de voir au travers de ma vie. Et je veux occuper mon rôle et ma position en manifestant ce que Dieu a mis au monde pour mon environnement. Et n'y a-t-il pas quelque chose en toi qui peut être manifesté dans ton église? N'y a-t-il pas quelque chose qui peut être manifesté pour impacter dans ton domaine professionnel? N'y a-t-il pas ce petit plus, cette petite idée que tu as, cette petite singularité et cette petite particularité que tu as, que tu peux manifester pour apporter un changement? Il y a quelque chose. Écoute-moi, ne te sous-estime pas, ne te banalise pas. Si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui, tu l'auras demain. Si tu n'as pas demain, tu l'auras après-demain. Ce qui est certain, c'est que tu l'auras. Mais lève-toi et décide. Comprends, le monde attend que je sois manifesté. Amen. Je décide à partir d'aujourd'hui d'être manifesté, de me positionner dans ma destinée. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en contact avec moi maintenant. Tu ne pourras plus dormir tant que tu ne commences pas à manifester ce qui est en toi. Ton esprit sera exacerbé. Tu as besoin de te réveiller. Ma voix ne cessera pas de retentir dans ton esprit. Tu as une destinée. Jeune homme, jeune femme, homme, femme, Mark Zuckerberg, un peu plus de temps aujourd'hui, a bâti quelque chose qui est en train de générer des milliers de personnes qui sont attachées à cela. Pourquoi? Un simple étudiant qui n'était pas le plus brillant, qui n'était pas le plus doué, mais qui a simplement compris qu'il y avait quelque chose à être manifesté. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau. Tu n'as pas besoin d'être le plus doué. Il y a des gens qui peuvent être plus doués que toi, mais tu vas manifester des choses qu'aucun d'entre eux n'a jamais manifestées. Saisis cette occasion. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce que ton heure est arrivée. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Oh, homme de Dieu, nous avons reçu de puissantes révélations. Alléluia. Le mot que je retiens, il est très fort. Tu as dit, il faut décider, il ne faut pas se contenter d'exister. Oui. Il faut impacter, il faut influencer sa génération. Amen. Et tu as parlé de la production des talents. Amen. Quelqu'un, et tu as pris le parabole du semeur, et la révélation qui est sortie, c'est la production de la bonne graine. Oui. Et la produit plus que elle devait produire, puisque tu as dit qu'elle a produit pour les trois qui ont. Donc toi aussi, tu dois impacter ta génération, tu dois produire pour ta famille, pour ta communauté, pour la ville et pour le pays là où tu es. Parce que l'impact ne se résume pas à toi seul, ne se résume pas à ta famille, c'est pour plus de personnes. Amen. Et si je comprends bien, l'impact est lié à une prise de conscience et à une vision ou un potentiel ou une idée qui germe. Qu'est-ce que tu peux apporter un plus? La vision ou l'idée qu'on doit cultiver. Parce qu'on reçoit beaucoup de visions, on reçoit beaucoup d'idées. Comment faire pour distinguer le bon? Comme Mark Zuckerberg, il avait beaucoup d'idées. C'est comme nous aussi au début de l'émission, on a reçu la vision, j'ai reçu la vision de la plateforme Morema. Mais plus je l'ai exploité, plus je parlais autour de moi, plus les gens affûtaient, plus les gens aiguisaient ma vision. Mais il faut commencer de quelque part. Qu'est-ce que tu peux apporter un plus pour quelqu'un qui me suit, qui se dit comment je peux faire pour impacter? Comment je peux faire pour mettre en idée mon plan, mon idée que j'ai? Comment je peux commencer? Qu'est-ce que tu peux apporter un plus par rapport à cela? Ce que je peux dire, c'est de commencer. Mm-hmm. Tout ce qui n'est pas né ne peut pas grandir. Mm-hmm. On ne peut pas parler de croissance tant qu'il n'y a pas eu d'abord naissance. Mm-hmm. Tout ce qui est grand a d'abord été petit. Amen. Tout ce qui est fort a d'abord été fait. Mm-hmm. Je dis toujours, si vous ne pouvez pas faire maintenant ce que vous rêvez, faites ce que vous pouvez et travaillez à vous donner au mieux que vous pouvez, là où vous pouvez, et Dieu va bénir cela, ça va devenir ce que vous rêviez. Amen. Ça veut dire, je rêve d'une multinationale, mais aujourd'hui, je peux simplement m'offrir une étape pour commencer un petit commerce. Commence. Amen. Ce que tu peux faire, fais-le de tout ton cœur. Ça va devenir ce que tu rêvais de faire. Amen. Donc, le point de départ pour l'impact, quand tu as décidé, tu as pris conscience que tu as la chose en toi et que tu peux y arriver comme ça, commence. Commence. Parce que tout ce qui est grand aujourd'hui, qui est célébré dans le monde, a commencé parfois dans un garage quelque part, pour ce qui concerne Apple, a commencé parfois dans une petite université quelque part, ça a commencé de rien. Parfois, personne n'a cru. Okay. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en ce qu'ils tenaient,
Ils ont compris. Si vous savez que Dieu vous a appelé, croyez en vous et avancez. Si vous savez que cette chose est le rêve de votre vie, croyez et commencez. Même quand il n'y a personne pour vous accompagner, il faut juste entamer. Ce que vous avez commencé, à partir du moment où ça a commencé et que c'est né, ça grandira. Amen. Même si ça tombe, vous vous relèverez et vous continuerez et vous y arriverez. La Bible parle de la fidélité dans les moindres choses. Tout à fait. La fidélité dans les faibles commencements. C'est ça, oui. Parce qu'on ne peut pas confier, on ne peut pas croire ou faire confiance à quelqu'un qui commence grand. Si tu as commencé grand, tu seras obligé de passer par le processus. Parce que la vie commence par la naissance, la croissance, et on devient mature. Quelqu'un qui veut commencer grand n'ira jamais loin. Il faut commencer dès les faibles commencements. Comme la Bible dit que si vous avez été fidèle dans les moindres choses, on vous confiera, on vous confiera de grandes choses. Et je peux dire que, homme de Dieu, l'impact ou ce que les gens ont, je peux parler de la peur, parce que c'est la peur, les gens ont peur de commencer. Il ne fait que mûrir, il ne fait qu'avoir des rêves, mais ils ont peur de commencer et ils ont peur de l'échec. L'échec, c'est, je peux dire que c'est l'obstacle pour que beaucoup de gens impactent leur génération. Et je vais résumer à un penseur, un président américain qui disait que le véritable signe de la réussite, c'est quand quelqu'un maintient l'audacité d'échec en échec. C'est-à-dire, tu te bats sur l'échec, tu commences, ça n'a pas marché, colmate les brèches et reprends à nouveau. Parce que tu ne peux jamais réussir à la première coup. C'est comme le président, le PDG de Alibaba, le Chinois le plus riche actuellement. Il dit qu'il a tellement échoué dans les entreprises qu'il a entrepris au précédemment qu'il ne peut pas compter le nombre. Il était le référence de l'échec. Quand on voulait parler de l'échec, il était la référence. Mais actuellement, à cause de son insistance, il a bravé la peur, il a bravé les échecs. Actuellement, il est devenu le référence de la réussite. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport ou déclarer une parole à quelqu'un qui est en train de lutter avec la peur d'entreprendre? Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui est éventuellement concerné par la peur de s'engager, de commencer, parce que est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça va marcher? L'expérience a clairement montré que si vous avez peur, vous ne commencerez jamais. Et ce que vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas l'achever. Les flèches que vous ne tirez pas ne peuvent jamais atteindre leur cible. C'est vrai. Mais si vous les tirez, vous pouvez rater la cible pour certains. Donc vous avez aussi l'option d'obtenir la cible, d'atteindre la cible. Donc quand vous essayez, vous pouvez soit y arriver, soit ne pas y arriver. Mais lorsque vous n'essayez pas, comment vous allez savoir? Vous ne pouvez jamais y arriver parce que vous n'avez pas commencé. C'est vrai. Et la chose que j'aimerais vous dire pour tous ceux qui m'écoutent, c'est que si vous croyez en Dieu, commencez en faisant confiance au Seigneur. Avancez. Même les difficultés viendront malgré la présence de Dieu. Car la présence de Dieu n'est pas la garantie de l'absence des problèmes. Mais la présence de Dieu est la garantie que peu importe les problèmes, tu t'en sortiras toujours. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'accompagne, ça ne veut pas que ça ne va pas être dur. Ça va être dur. Mais comme Dieu est avec toi, tu vas y arriver. Amen. Aujourd'hui, on est en train de parler de mon ministère, comme tu le disais. En 6 ans, on est à quasiment 8 sites. Amen. D'église. Pourquoi? Parce qu'on m'a chassé. On m'a chassé de lieu en lieu. À chaque fois que je prenais un lieu, on s'aménage. Il y a des endroits où on fait un mois, on a payé tout. On a payé la location. Au bout d'un mois, on nous met à la porte. Oh. Et tout le monde me disait, mais c'est la preuve que Dieu n'est pas avec toi. Et si Dieu t'envoie dans un territoire, on va te chasser de partout, tu vas sur le territoire. C'est ce que mes détracteurs me disaient. Mais je savais que Dieu était avec moi. Et que ce n'est pas parce que Dieu est avec moi, ça n'est pas compliqué. Mais je savais que le bout de l'histoire serait glorieux. Amen. Alors quand on me chasse ici, j'allais recommencer ailleurs. C'est vrai. J'ai énormément recommencé, mais je ne suis pas arrêté. Aujourd'hui, on vient d'investir un site bâti sur 1 hectare et d'un temple de plus de 1000 personnes de capacité. Mais parce qu'on a juste continué à y croire.
Et là, on est sur le 8, le 9e site. Ah ben. Et nous croyons que nous sommes arrivés au bon port. Mais il a failli continuer. Il y avait de quoi se décourager. Il y avait de quoi humainement s'arrêter. Mm-hmm. Mais nous savions que Dieu était avec nous. Amen. Et qu'au bout du compte, la gloire serait là. Amen. Alors on a continué. Amen. Et jusqu'ici, Dieu nous a montré sa fidélité. Et les meilleures choses arriveront. Je vais encourager quelqu'un. Dans notre marche avec le Seigneur ou dans le royaume de Dieu, beaucoup de gens pensent qu'en suivant Dieu ou en se refusant derrière la religion, ils ne vont pas expérimenter les difficultés. Et quand ils font face aux difficultés, c'est là qu'ils se posent des questions. Parce que la vie chrétienne n'est pas juste seulement... la vie chrétienne n'est pas du tout rose. Parce que Christ a dit, si les bois verts sont brûlés, quand deviendra-t-il des bois morts? Si notre Seigneur Jésus-Christ a pu passer à travers des difficultés, des tribulations, c'est que nous aussi, on va emprunter le même pas. Et j'aimerais s'appuyer sur ton parcours et ton témoignage. D'échec en échec, de refus en refus, de rejet en rejet, maintenant tu es propriétaire d'un grand terrain. Et tu bâtis un temple de plus de 1000 places. Et si je veux repartir en arrière, je peux te dire que les endroits où tu avais loué, peut-être c'était, ça pouvait contenir 100 personnes ou 200 personnes maximum, parce qu'il n'y a pas une grande place. On ne bâtit pas des églises qu'on met en location. C'est juste des endroits où tu t'adaptes. Et c'est en allant d'échec en échec, en essayant de perfectionner et en ayant foi à la parole que Dieu t'avait inspirée depuis le début, voilà pourquoi tu en es arrivé. Et qu'est-ce que tu peux prier ou déclarer la parole pour quelqu'un qui traverse des situations actuellement, qui a expérimenté des échecs, parce qu'il a commencé une entreprise, il a commencé sa vision, il a expérimenté un échec, et aujourd'hui il est découragé. Il ne sait pas là où aller. Comme Rebex, le président Nixon, je lis beaucoup son livre, il disait qu'un homme n'est pas fini dès qu'il a échoué. Mais un homme est fini dès qu'il décide d'abandonner. Toi qui me suis actuellement et toi qui m'écoutes actuellement, je t'exhorte et je t'encourage à ne pas abandonner. Quel qu'en soit l'échec que tu as vécu, tu n'es pas encore fini tant que tu ne jettes pas l'éponge. C'est comme un box, un match de boxe. Le box n'est jamais fini quand on met l'adversaire KO ou au tapis. Parce que même si tu tombes, il y a un temps pour se relever. L'arbitre va lancer un décompte et il y a un temps pour se lever. Et tant que tu te lèves, le match continue. Je vais dire à quelqu'un, quel qu'en soit le chaos ou le tapis que l'ennemi t'a mis, relève-toi. C'est ton temps de te relever. Et dès que tu vas te lever, le match continue. Homme de Dieu, quelle parole tu as pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui ont expérimenté un échec, un découragement? Quelle parole du Seigneur tu as pour nos internautes qui nous suivent actuellement? Il faut vous relever et continuer d'avancer. La première chose, c'est de ne pas permettre aux circonstances difficiles et aux échecs de briser votre rêve à l'intérieur de vous. Amen. D'arrêter de croire en vous et d'arrêter de croire aux promesses de Dieu. À un moment donné, Jérémie le prophète s'était tellement lamenté. Le titre du livre, on l'a appelé Lamentation. Mais dans le troisième chapitre de Lamentation, il dit, quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma peine, c'est comme de l'absinthe, c'est comme du poison que j'ingère. Il dit, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Même quand vous êtes tombé, même quand c'est difficile, même quand ça semble ne pas marcher, il faut repasser dans votre cœur ce qui vous donnera de l'espérance. Amen. Il faut repasser dans votre cœur la fidélité de Dieu. Il faut repasser dans votre cœur que d'autres sont passés par là où vous êtes, mais ils ont pu y arriver. Et s'ils ont pu y arriver, vous aussi vous y arriverez. Amen. Quand vous repassez ces bonnes choses en vous, vous serez ragaillardi et fortifié pour continuer d'avancer. Et quand vous êtes restauré en vous et que vous continuez la marche, très certainement, vous atteindrez la destination de succès pour laquelle vous rêvez. Nous voulons bénir la vie du prophète actuellement qui nous a donné une parole de rema. Et nous tirons vers la fin de notre émission. Et nous aimerons encourager quelqu'un. On a développé le thème de comment impacter sa génération en s'appuyant sur Romains 8, verset 19. Et j'aimerais exhorter quelqu'un qui est abattu actuellement. Tu es désespéré. Tu ne sais quoi faire parce que tu as expérimenté beaucoup d'échecs. L'homme de Dieu vient de te dire que tu dois impacter ta génération. Tu dois influencer ta génération. Tu dois cesser d'exister et commencer à impacter ta génération. Homme de Dieu, quelle parole vous avez à l'endroit de nos sœurs, internautes qui nous suivent?
qui nous suivent actuellement en direct et qui, ou qui prendront l'émission en cours. Quel est votre mot de la fin, si vous voulez résumer votre message? J'ai eu le privilège à ce jour de côtoyer beaucoup de grands hommes, des gens politiquement élevés, des gens qui sont dans le domaine du sport, en Afrique, comme en Europe, comme aux États-Unis. Dieu nous a permis de parcourir divers continents. Nous avons eu la grâce de parler, de côtoyer beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte que les gens qui font de grands accomplissements ne sont pas forcément des gens exceptionnels. C'est juste des gens qui ont cru, qui ont eu un rêve. C'est des gens parfois qui ne connaissent même pas Dieu pour la plupart, mais qui ont cru et qui sont arrivés. Il n'y a pas de raison que tu aies Dieu en plus et que tu échoues. Il n'y a pas de raison que tu aies Dieu en plus et que tu te contentes d'exister en attendant que tes jours finissent sur la terre pour mourir et aller au ciel en espérant avoir un échappatoire ou un repos. Ta vie compte et est utile. Ne laisse pas l'oppression des circonstances étouffer ce que tu es et ce que tu as en toi. De même que Dieu a eu besoin de Gédéon dans cette époque de troubles en Israël, Dieu a besoin de toi dans cette saison. De même qu'à l'heure du décès de Moïse, il fallait une relève, il fallait un homme comme Josué. Dieu a besoin de toi dans cette saison. De même que pour l'expansion de l'évangile dans les nations, il fallait un élément comme Paul. Dieu a besoin de toi. Que ce soit domaine spirituel, que ce soit domaine séculier, tu as quelque chose à apporter. Ne méprise pas et ne minimise pas ce que tu as. Dieu est avec toi. Crois en Dieu et crois en toi. Lève-toi et commence aujourd'hui à générer de l'impact. Dans peu de temps, nous nous retrouverons dans la gloire. Nous pourrons témoigner de grandes choses que Dieu nous aura utilisées pour accomplir pendant le parcours sur la terre. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de vous tous qui nous suivez actuellement. Je rappelle que nous sommes à votre émission Temps du Rhéman ou Top Rhéman. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Michael T., qui est le président fondateur du Centre international de réveil. C'est un grand homme de Dieu qui abat un grand boulot ici au Burkina et qui impacte sa génération et nous a donné le thème de comment impacter sa génération. J'aimerais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, aux hommes de Dieu qui nous suivent. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être dans les cinq ministères. Si Dieu te met à cœur de partager, si Dieu a mis en toi une parole que tu as donnée à l'endroit de nos internautes qui nous suivent, tu peux juste nous contacter au email ou au numéro qui s'affiche en bas de la page. Tu nous contactes, on viendra t'enregistrer, on viendra planifier pour faire le direct. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, quel appel vous avez à lancer par rapport aux internautes qui nous suivent? Par rapport à Morema, qu'est-ce que vous pouvez dire, quel mot d'encouragement ou mot d'exhortation ou quel appel de soutien vous pouvez lancer pour ceux qui nous suivent actuellement, parce que c'est une plateforme qui regroupe les églises, qui regroupe les ministères, qui regroupe plusieurs hommes de Dieu dans le Burkina. On était un site national parce qu'on travaillait au Burkina. Mais on a update, comme on l'a dit, on a fait des mises à jour et on est en train de s'étendre un peu partout dans le monde entier. Parce que notre idée, c'est de regrouper tous les hommes de Dieu sur une plateforme. C'est d'être une référence ou un annuaire ou tout ce que vous voulez savoir par rapport à un homme de Dieu. Notre vision, c'est un jour, si vous arrivez à taper sur Google par rapport à un homme de Dieu, que vous puissiez le retrouver sur notre plateforme. Quel est l'appel de soutien que vous avez à lancer à l'endroit de la plateforme Morema? Pour conclure. Vous savez, les médias aujourd'hui sont une arme assez puissante et efficace. L'Église doit pouvoir s'en approprier pour pouvoir étendre son impact. Voici pourquoi de telles plateformes comme le site internet Morema doivent profiter et bénéficier de notre soutien. Nous devons les accompagner de toutes les bonnes manières que nous pouvons le faire. Déjà pour tous ceux qui sont actifs sur internet et sur les réseaux sociaux, de répondre et de faire connaître. Je voulais inviter les pasteurs, les hommes de Dieu. Nous connaissons la crédibilité de l'équipe qui est en train de travailler dans cette plateforme pour faire avancer les choses. Alors nous voulons vous encourager à vous associer à ce qui est en train de se faire et puis à soutenir du mieux que vous pouvez cette plateforme parce que vous n'êtes pas en train de le faire pour un homme, pour un individu, mais vous êtes en train de le faire pour le royaume de Dieu. Je connais un peu ceux qui sont en train de gérer, ils ne le font pas à but lucratif, c'est parfois à fond personnel
qui sont en train de le faire. Mm-hmm. Alors, appuyons cette œuvre dans la mesure où nous serons aussi parallèlement en train d'appuyer l'expansion de l'évangile du royaume des cieux. Mm-hmm. Que Dieu bénisse. Amen. Nous rappelons aussi que nous sommes sous la couverture. La plateforme, c'est plus spirituel. Ça, mm-hmm. consiste au. C'est pour les hommes de Dieu. Oui, donc, l'idée, nous avons eu la vision, mais nous sommes sous la couverture de la plus haute autorité spirituelle de ce Burkina. Parce que quand nous avons reçu la vision, nous avons approché les autorités spirituelles à l'endroit de notre cher papa le patriarche, le révérend docteur Karambiri, qui nous a donné son accord, qui nous a donné son soutien, qui nous a encouragés. Donc, nous sommes sous sa couverture. Et nous l'avons pris comme président d'honneur de la plateforme Morema, et nous sommes sous la vice-présidence aussi de mon père spirituel, le prophète Emmanuel Sawadgo. Donc le site n'appartient pas à nous, nous sommes justement des gestionnaires. Dieu nous a donné la vision, mais le site est gouverné et nous faisons tout le temps des rapports fidèles à nos pères spirituels qui sont la couverture, parce qu'on ne peut pas utiliser leur nom pour faire des escroqueries ou faire des sales travaux. Donc nous rassurons nos chers internautes, vous tous qui nous suivez, nous sommes sous la couverture hiérarchique, spirituelle de nos pères spirituels, le révérend Dr Mamadou Karambiri, que nous remercions pour son soutien. Papa, nous t'aimons, et merci pour nous avoir soutenus. Et nous prions Dieu que tu vives longtemps et que tu continues de nous soutenir pour la seule gloire de Dieu. Donc nous remercions nos chers internautes qui nous suivent. Vous êtes à votre émission Tendurement au top Rema. Nous avons été bénis par l'homme de Dieu que nous avons reçu et qui nous a donné cette parole spéciale. Nous prions que Dieu vous garde pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom, shalom. Merci, homme de Dieu. Que Merci. Dieu te bénisse.